Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours de motivation ménage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons ranger, organiser la chambre des enfants. Là, nous avons lavé les habits et tout à l'heure, j'ai ramassé, j'ai un peu étalé là pour que ça fasse quelques minutes avant que je ne plie parce que j'ai ramassé pendant que la pluie menaçait. Bon, avec l'humidité, je me suis dit qu'il fallait un peu étaler. Bon, ça ne peut pas rester comme ça, il faut rapidement plier. Et vu que j'ai prévu faire cette vidéo, je vais plier le linge et ranger la chambre des enfants. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux filles. Et je vous fais des vidéos motivation, ménage, organisation, astuces, vie de maman. Si c'est le style de vidéo qui vous intéresse, je vous prie de rester, de vous abonner et de me laisser un commentaire pour me dire si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, le linge, c'est moi, je peux vous faire des vidéos d'organisation de linge chaque semaine. Parce que le linge, on en a. Les enfants salissent, nous-mêmes les adultes, on change beaucoup. Du coup, heureusement, j'ai cette machine à laver qui est venue me changer complètement la vie. Donc, je lave les vêtements deux fois par semaine. Je fais deux machines le mercredi et deux machines le samedi ou le dimanche. Ceci me permet d'avoir le temps de mieux organiser cela. Et à chaque fois que je lance les machines, on fait une machine pour les adultes et une machine pour les enfants. Ça permet de ne pas trop accumuler les vêtements, mais jusque-là, mon panier de linge est toujours plein à craquer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à quelle fréquence vous faites la lessive chez vous et combien d'enfants vous avez. J'attends vous lire en commentaire. Comme vous le savez, je déteste le repassage, je déteste le repassage. Même mes propres habits, je peine à repasser. Et dans la lessive des enfants, il y a des robes qu'il faut repasser avant de cintrer pour que ce soit plus facile au moment de les habiller. Et pour cela, on va appeler quelqu'un qui va nous aider à faire le repassage. Et là, pendant que mon mari repasse les vêtements, moi, je vais m'attaquer au pliage. Je vais plier tout ce qui n'a pas besoin d'être repassé là, là, là. Et je vais ranger. Toutes mes excuses pour la qualité de la luminosité, c'est au montage que je me suis rendu compte qu'on avait eu encore la baisse de tension. Du coup, l'éclairage n'était pas constant. C'est pourquoi il y a du va-et-vient d'éclairage. Vraiment désolée pour ça. Je vais tout plier les habits des enfants, bien ranger les caleçons et les chaussettes. Je mets les unes dans les autres pour mieux les retrouver. Parce que vraiment, je ne sais pas ce qui arrive aux chaussettes. On finit toujours l'année avec un seul pied de chaussettes. Jamais les deux. Voilà, j'ai donc terminé de ranger les vêtements de la grande, les vêtements de la petite. Et maintenant, je vais aller tout mettre en place. Cependant, mon mari a fini de repasser et il est allé rester avec les filles pour que je puisse continuer et terminer rapidement. Je vais venir nettoyer la penderie des enfants et vu que la penderie est en bois, je pose d'abord un thé d'oreiller que je n'utilise plus avant de classer les habits dessus. Je fais pareil sur les deux endroits et ceci après avoir nettoyé. Je vais venir classer, comme vous le savez, les pantalons, les jupes, les collants,
les démembrer, les pulls, les serviettes, les caleçons, les tricots. Donc je vais mettre chaque rangée pour que ce soit facile à l'utilisation. Pour les robes, j'ai voulu les cintrer. Je vais cintrer toutes les robes, que ce soit pour sortir ou pour maison. J'ai acheté ces cintres pour les filles pour ranger leurs vêtements parce que je trouve que c'est joli. Ce sont des cintres pour enfants et les couleurs aussi, ce sont des couleurs pour enfants. Donc je vais cintrer toutes leurs robes. Je me suis rendu compte que les cintres n'étaient pas suffisants, mais pour le moment, je vais d'abord laisser comme ça. Et après, je vais acheter au fur et à mesure jusqu'à ce que toute leur panderie ne soit remplie que de ces cintres-là. Je trouve ça beau. Donc, je vais ranger en mettant ceux de la petite devant, donc les vêtements de la petite devant, les vêtements de la grande derrière. Avant que l'école ne commence, je me suis mise en défi de réorganiser la chambre des enfants. En fait, réorganiser chaque pièce de ma maison de telle sorte que quand l'école commence, que je mette le pied dans chaque pièce de la maison et que tout soit nickel. Je dois faire les choses à l'avance pour éviter de tout faire en me tapant le stress de la rentrée scolaire. Réfléchir sur les goûters, aller accompagner les enfants, faire les devoirs. Non, je me prends à l'avance, je range la chambre des enfants, je classe les chaussures que j'ai nettoyées, j'organise tout. Et moi aussi d'ailleurs, j'ai commencé déjà à me lever tôt, à apprendre les bonnes habitudes. Pendant les vacances, on traîne au lit, on se lève comme on veut et tout. Quand on commence la routine pour se préparer à la rentrée scolaire, c'est à la fois le parent et l'enfant. Parce qu'il est hors de question que le parent réveille l'enfant et rentre se coucher. Donc tout le monde doit se préparer. Là, j'ai terminé de ranger les chaussures des enfants. Voilà, ça, c'est propre, tout est classé. Maintenant, j'irai débarrasser la table de repassage et le faire à repasser. Puis, je vais balayer la chambre des enfants, enlever les toiles d'araignée. J'aime beaucoup les lits qui donne la possibilité de passer le balai en dessous. Ça donne vraiment une sensation de tout propre, de tout achevé. Or, quand le lit est fermé complètement et que je nettoie la maison, j'ai toujours cette sensation de inachevé. J'ai l'impression qu'il y a encore la saleté sous le lit. Voilà pourquoi je préfère que ce soit mon lit ou le lit de la chambre des enfants. Il faut que le bas soit ouvert, que le bas me permette de passer le balai en dessous. Après avoir donc fini de balayer, je dois faire le lit des enfants. Ici, j'ai pensé à la magie du Tintin de Cendrillon. Nous, les mamans, nous retrouvons souvent à faire machinalement les choses des enfants. Parfois, on se retrouve à chanter des comptines. Ici, là, je vais vous faire un coup de magie de Cendrillon. Ba, ba, da, ba, ba, da, ba, ba, da, ba, ba, da, boum! Et les lits sont faits. Bon, revenons à la réalité. Pendant que j'étais en train de faire le lit, donc, je me suis rendu compte qu'il y a les taches sur les lits des enfants. Du coup, je me suis dit, bon, même si les lits sont déjà faits, il faut quand même nettoyer. Sinon, normalement, il faut nettoyer avant de faire les lits. Bon, c'est ce que je pense. Je pense que c'est le meilleur ordre. Toujours avec mon nettoyant multi-surface qui va aussi bien sur le bois que sur ce qui est en fer. En fait, multi-surface, au bicarbonate de soude, vinaigre blanc. Ça nettoie tout et ça entretient le bois. Là, c'est un seul jeu de drap que j'utilise pour les deux lits de mes enfants, c'est-à-dire deux draps, deux thés.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si les draps des enfants, s'ils sont jolis pour vous, pour la chambre de fille. Ensuite, j'ai pris ces coussins décoratifs avec des motifs dorés dessus pour donner un peu de joie aux filles. Normalement, ce sont des coussins qui sont pour la décoration de Noël, mais bon, là, j'ai dit, je vais les mettre sur le lit des enfants. Et voilà, est-ce que ça vous plaît? J'espère que le dressage du lit vous plaît et j'espère que ce lit est bien dressé selon vous, car selon moi, c'est parfait. Parfait! Ensuite, je vais venir remettre le nounou sur le lit. Puis je viendrai trier les jouets. Les vacances sont en train de finir. Tout ce qu'on a passé les vacances à fabriquer, les papiers découpés, mes boîtes qu'elles m'ont chippées à la cuisine, certains de mes ustensiles même que j'ai retrouvés dans leurs jouets, je vais tout trier. Ce qui va à la poubelle, je mets à la poubelle. Ce qui rentre dans ma cuisine, je ne vais pas mettre dans ma vaisselle sale parce que je vais laver. Ce qu'elles peuvent encore jouer avec, je vais tout ranger. Et là, je vais le mettre ça dans les deux paniers ici. En attendant, trouver des bacs appropriés pour leurs jouets. Je vais mettre dans ces paniers et poser là, vu que pendant l'école, les heures de jeu sont beaucoup plus réduites que pendant les vacances. Les vacances, ce n'est que jeu, distraction. Et voilà ce que j'ai récupéré des jouets dans les deux paniers et maintenant je vais laver le sol de la chambre. Toujours avec mon balai, c'est Pierre qui me permet de laver le sol sans me courber. Seigneur, sans me courber. Une fois le sol terminé, je vais venir nettoyer leur petit miroir que j'ai fait fixer à leur taille. Quand elles finissent de s'apprêter, elles se regardent au miroir jusqu'à même elles. Là, je vais venir remettre leurs jouets, remettre les chaises et me rendre compte une fois de plus que les chaises sont sales. Avec ma même solution, je vais mouiller mon microfibre et puis je vais bien frotter les chaises, enlever les taches dessus. C'est très vite quitté, ça n'a pas été difficile. J'ai terminé le ménage dans la chambre des enfants. Je crois que tout est rangé, tout est propre. Mais j'ai quand même des petits projets pour cette chambre. Par exemple, je vais mettre un peu de décoration sur le mur. Mettre les rideaux de couleur qui correspondent à leur chambre. Mettre une table pour les études avec deux chaises. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Mais ce sont les choses que j'ai en projet. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé, surtout qu'elle vous a motivé à organiser et ranger la chambre de vos enfants. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire comment vous faites chez vous et à quelle fréquence vous faites
le ménage dans la chambre de vos enfants. Généralement, moi, je fais le ménage dans la chambre des enfants quotidiennement. Mais un ménage à fond comme celui-ci, ranger les habits, repasser, classer, en fait, ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Parfois, c'est juste l'entretien, maxi 15 minutes. Mais là, ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai pris du temps pour bien arranger, refaire les lits et tout. J'espère que ça vous plaît. Et en tout cas, pour mes filles, je suis sûre qu'elles vont aimer. Dès qu'elles vont entrer, elles vont faire « Waouh !» Elles seront hyper contentes. Moi aussi, je suis très contente. Et j'ai été contente de tourner cette vidéo. On se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.